Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Shehakol nehiya bidvaro. Toda Rabba d'être nombreux comme ça ce matin. Adore à Géoula. Simon, est-ce que tu peux me trouver qu'est-ce que c'est cet arbre qui est derrière nous là? Un bougainvillier. Un bougainvillier. Bon. Essaye de me trouver. Il est en fleurs là maintenant. Regarde comment Dieu il nous donne des belles couleurs, des belles choses comme ça. Bracha ve'atzlacha. Refouach shelema l'kol cholei amecha Israël. Alors, une seconde, Mechila. Où il est? Ah, pardon. Vas-y. Meir Mordechai ben Rachel. Tamar bat batia bishar kol cholei ve'cholot amecha Israël. Amen. Ken yehi ratzon. Le thème du cours d'aujourd'hui est la suite de celui, je crois, d'il y a deux semaines. Sur le thème, il était « La droite rapproche, la gauche repousse ». Pour comprendre le fonctionnement de l'éducation d'un enfant, bah, je répète. Tu n'éduques pas tes enfants à la bonne franquette. Comme ça vient. Il y a un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, il y a à l'intérieur de ce mode d'emploi des fondamentaux. Nous allons aborder aujourd'hui le fondamentaux numéro 2. Alors, il est exceptionnel. Parce que le premier, on avait parlé juste comme ça en deux mots, qu'au moment où on doit mettre des barrières à un enfant ou à un ado, on doit faire passer à ce moment-là aussi énormément d'amour et de respect. Si l'enfant se sent dégradé au moment où il va avoir une barrière, une remontrance, une interdiction, mais il va avoir une dégradation à travers cette interdiction, l'interdiction ne passera pas. On avait appelé ça, d'après ce que la Gemara disait, Yamin meka smol docha. La gauche, elle repousse. Yamin meka revet. La droite, elle doit rapprocher. Et ça doit être fait simultanément. Je demande d'abord, excusez-moi. Excusez-moi, mes amis. Ah, mais oui, mes amis. Mes amis qui me suivent tous les matins, qui sont avec moi tous les matins dans ce Limoud Torah. Le cours d'aujourd'hui, c'est un régal. Alors, écoutez bien et partagez-le en masse pour tous les parents qui comprennent comment fonctionne avec un ado, avec un enfant. Je pense, hein, avec un enfant. Quand je parle d'adolescence aujourd'hui, je parle à peu près à l'âge de 9 ans, 10 ans. C'est déjà dans la crise d'ado. On est bien d'accord? Et c'est très important ce que je vais dire ici. Il ramène ici le Rav Zamir la chose suivante. Yeshnam horim rabim. Le cours est très court aujourd'hui. Il est très court, mais il est intense. Yeshnam horim rabim amashkirim rabot bichinuch hayeladim. Il y a beaucoup de parents qui investissent énormément dans l'éducation des enfants. Je suis pas en train de parler moi de parents qui n'assument pas qu'ils sont parents. Je ne parle pas d'eux aujourd'hui. Parce que les parents qui n'assument pas d'être parents, oy va avoy, qui n'assument pas qu'ils ont des responsabilités, c'est une catastrophe. Qu'un père soit absent le soir à la maison, c'est une calamité. Qu'il n'y a pas papa et maman, même des fois il ne peut pas arriver tous les soirs de bonne heure, mais qu'il essaye d'avoir un ou deux soirs dans la semaine, de couper et d'être avec les enfants de façon paisible à la maison, tranquille, disponible à la maison. Je ne parle pas de cela parce que cela refoua chez les mains. Refoua chez les mains. Cela, la vie leur apprendra exactement c'est quoi les valeurs. Toute seule, la vie elle seule. Pas parler d'eux.
Il dit, il y a beaucoup de parents qui investissent, Baruch HaShem, énormément dans l'éducation des enfants. Et d'un seul coup, Megalim le Herdatam, un beau matin, il se lève. La catastrophe. Anahar Shigadal, l'enfant qui a grandi, le garçon ou la fille, Porer Bederech Afura Miso Shechin Khuela. Il va choisir exactement le contraire du chemin dans lequel on a investi. Ben, c'est pas possible. Les parents, ils viennent et me disent, mais monsieur, mais rave. Dans quoi j'ai foiré? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourtant, j'ai tout fait. Tout ce qu'il fallait. Et nam evini mechan kashlou. Ils n'ont pas compris dans quoi ils ont failli. Alors que leurs amis ont investi la même chose que eux, et eux ils ont réussi. Et pourquoi moi j'ai pas réussi? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Olam Yeshnam, écoutez-moi bien parce que c'est de la folie. Et je peux vous assurer que ce qu'il a marqué ici, je l'ai moi traduit en acte, pas seulement avec mes propres enfants, mais avec mes milliers d'élèves, garçons et filles. Et ça a marché. Alors que ça n'a pas marché, je ne parle pas de théorie, ça a marché. C'est bizarre. Il te dit, il y a deux sortes de parents. Et vous allez choisir, messieurs, aujourd'hui, dans lequel des deux sortes vous êtes. Et à partir de là, vous comprendrez pourquoi vous avez réussi ou pourquoi vous avez échoué. C'est clair? Ou faut que je me répète? C'est clair? Il y a deux sortes de parents. Vous choisirez, vous, lequel des deux sortes de parents vous êtes. Yesh hore mudag ve yesh hore ohev. Allez, je traduis ça en mots comme ça. Il y a le parent stressé de la vie et il y a le parent aimant. Et il y a le parent qui aime. Quelle différence qu'il y a entre le stressé et celui qui aime? Et il explique. Hamudag malchitz et yeladav. Le stressé, il stresse ses enfants. Vedafka aliyede ashkaato bechinucham gorem lahem lifrok kol od miyad kshemitafsher lahem. Et à travers son investissement stressé de la vie, il va lui causer qu'un beau matin, quand ils auront la possibilité, ils rejetteront complètement l'éducation qui leur a été donnée par ses parents. Je répète, le stressé, on va le voir, le stressé ne pourra jamais réussir. Tu connais le stressé, comme ça. Il est là avec son fils comme ça, il le regarde de loin, il est comme ça, il attrape comme ça, il le pousse comme ça, il est comme ça. Et arrête, qu'est-ce que tu fais? Le stressé. Le stressé aura une conséquence claire. Le jour où le petit ou la petite pourra rejeter ce joug-là, elle le fera, il le fera de façon claire. Alors le deuxième, ha-ohev. C'est celui qui aime. Qu'est-ce que ça veut dire, il aime? On va le voir dans deux minutes. Bonne et yeladav. Alors, lui, construit ses enfants. Emna asim ba'ale nefesh bria. Il va... Moi, je deviens fou quand je lis ça parce que je le vis, je l'ai vécu. Il va construire une âme saine. Ve'ohavim la lechet bederecha emet. Ce seront des enfants qui naturellement adhéreront aux valeurs que les parents ont voulu leur donner. C'est le parent qui est... Attention, le parent doit être un parent aimant. Il n'a pas dit que l'autre côté, c'est un parent... Chas v'shalom, Dieu ne plaise, qui est l'enfant. Le stressé et l'aimant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit comme ça. La chatz mufras mitok kavana tova shel ratzon lechaner. Trop de stress. Avec une bonne intention. Qui est celle de quoi? D'éduquer. Atachat milim. Alors, le stressé va obligatoirement faire sortir de sa bouche des mots, pas seulement désobligeants, mais dégradants vis-à-vis des enfants. Le stressé, il est stressé. Et comme je suis stressé, je ne peux pas faire attention à ce que je dis. Je vais l'attraper, moi, le matin. Je vais lui montrer mon stress à travers des mots. Qu'est-ce que tu fais? T'es nul. Dis-moi, regarde ta sœur comment elle est.
Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Des mots comme ça. Il te dit, Bémata, parce que nous, la pensée n'est pas mauvaise. On a envie de quoi? De le faire évoluer, de l'échanger. Mais Kol Dibour, O Itna Guto Ritamevi, Etaïled Maskana, Bechol Mikre. Tu vas faire entrer dans l'enfant une idée destructrice. À partir du moment où tu auras une attitude de stressé, parce que je veux qu'il réussisse dans la vie, je veux qu'il réussisse. T'as vu comment toi tu l'éduques? Le stressé dit à sa femme, t'as vu ou non? T'as vu ou non? Voilà, moi je sers. C'est avec ça que je vais arriver, tu vas voir comment je vais le faire. Il te dit une chose. Mais vi'imatayele de maskana, l'enfant arrive à une conclusion très claire dans sa tête. Tu ne pourras pas lui enlever. Bechol mikre horai marchivim oti le kishalon. Pour mes parents, je suis un échec. Je suis un nul. Ah, mais moi, je sais, je le vois, mon père, comment il se conduit avec moi. Je suis un nul. Azlechem malita metsulashkia. Regardant sa tête, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert que je fasse des efforts? Quand de toute façon, je suis un nul. C'est un concept. Le parent n'est pas un méchant parent. C'est un stressé de la vie, mais il va aller se casser la figure en plein dans un mur. Je vous le dis tout de suite. J'ai jamais vu un stressé qui a réussi avec ses enfants. Il réussit quand ils sont petits. Mais le jour où c'est que l'enfant va grandir, il va lui donner un coup de pied. Parce que tu sais pourquoi? Ça sert à quoi? Je suis un nul. Il me l'a dit 10 fois que ma sœur, que mes autres frères étaient mieux que moi. C'est la composition la meilleure pour rendre un enfant qui était à la base un enfant bien. Le yelet bayati. Tu vas le rendre un enfant à problème. Il attend le moment qu'il puisse donner, je traduis les mots, un coup de pied à toutes les valeurs que tu as essayé de lui inculquer. Allez, sur votre tête. J'assume ce que je suis en train de vous dire. J'assume. Il n'y a pas un enfant qui est né mauvais. On l'a rendu mauvais. Lo kayam, ça n'existe pas. Qu'un enfant est né, il est tordu. Il ressemble à mon beau-père, ressemble à ma belle-mère. Il est tordu, tu vois bien. C'est la famille de ma femme. Des nuls. En plus, ça se fait un kiff. Voilà, comme mon beauf, zéro. C'est noraveayom. Il n'y a pas un enfant qui... Moi, je vais faire avec vous tout ce livre, hein. Parce que je vais sauver des enfants dans des maisons. C'est qu'il y a des parents qui n'ont rien compris, vous allez le voir. Il dit comme ça. Vous vous souvenez qu'on avait vu dans le... Il dit le Rav, dans le cours précédent, que ce que la camarade de ma série de Sanhedrin Daf Kufzaïn disait, que dans l'éducation, Smoldora Veyamin Mekarevet, la gauche, elle doit, entre guillemets, repousser, c'est-à-dire mettre des barrières. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus tard, dans d'autres cours. Qu'est-ce que ça veut dire mettre des barrières et qu'est-ce que ça veut dire la droite doit rapprocher. Parce que c'est fondamental. Mais il te dit une chose. Vekan. Echad ha'ikarim shebemechdalim bichinuch yeladim bizmanenu u choser izun ben ha'smoldora le-benyamin mekarevet. Il te dit, vous savez quel est le problème chez nous aujourd'hui? On a peut-être la droite qui rapproche et la gauche qui repousse. Mais elle est complètement déséquilibrée. Déséquilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire déséquilibrée? Et il dit, regardez. Il y a des parents qui... Le pauvre. Surtout, ce danger peut tomber de le pauvre. Laisse-le faire ce qu'il veut, il est gentil. Va se retrouver beaucoup chez des parents qui ont des enfants qui de mariage recomposé. Des parents divorcés qui savent que, bon, que leur enfant et les enfants ont subi par ce divorce. Alors, on va les laisser faire, etc. Et il te dit une chose. Mais fan kimoto yotera lamida. Et là, on va le gâter, mais de façon
hein, exubérante. Vekarayelet gadel mi plishi akirak voulot kolchem. Et là, c'est une calamité. Attention, on a dit, la droite rapproche, la gauche repousse. Attention à ne pas créer d'abord un déséquilibre. Premièrement, le stressé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il repousse complètement. L'aimant, celui qui aime, un parent qui aime, va rapprocher beaucoup, ça veut dire qu'il va laisser faire tout. Attention. Il dit comme ça. Les parents qui gâtent de façon dramatique et que l'enfant ne connaît pas de barrière. J'ai vu des garçons et des filles qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des... Ça fait flipper. Ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des barrières. Ils arrivent à l'école, mais ils se font fracasser la tête. Et noyodea mamuta ma asur. Il y a des enfants qui ne savent pas ce qui est permis et ce qui est interdit. On le voit depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, on le voit déjà. Sur un enfant. Tu vois ce déséquilibre. Et donc, sa vie va être une calamité parce que chez lui, il n'y a aucune barrière, il n'y a pas de nom. Le nom n'existe pas. Va grandir un adulte qui ne pourra jamais rien assumer dans sa vie parce que chaque bêtise il la fera, parce qu'on lui a jamais appris que ça, non. Le nom, il ne l'a pas. Oumidar, déséquilibre de ce côté. Main droite, on a dit qu'il rapproche, déséquilibre. De l'autre côté, Yeshamak Tsini Metadacheni. Et il y a des parents. Alors, ils pensent qu'ils sont des bons parents, Eric, et qu'est-ce qu'ils font? De l'autre côté complètement. Aïe. Rien, je quadrille, je verrouille, je ferme. Le Khatsim et Tayeled, ils sont là. Et l'enfant, tu le vois qu'il est abattu par un stress, par un chargement. Et cet enfant, en principe, a un symptôme. Il ne parle pas. Il ne s'exprime pas. Ah ouais, il a appris depuis son jeune âge que s'il s'exprimait, on lui tombait dessus. Parce que c'est à travers la discussion que tu vas avoir avec lui, que tu pourras faire passer des messages. Mais quand un enfant est rentré dans un mutisme, c'est fini. Tellement qu'ils ont peur pour son avenir, c'est positif, ils vont l'étouffer. Je répète, tu peux soit ouvrir les barrières et c'est une catastrophe monumentale, soit tu ne sais pas doser et dans ta maison c'est un stress total du matin jusqu'au soir. Attention, hein, c'est l'homme, c'est la femme. Hein. Ah, c'est l'homme et c'est la femme. Hein. Ah, et puis elle te dira, je suis fier. Ah, chez moi à la maison, il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui bouge chez toi à la maison. Réfois chez les mains. Si dans ta maison, il n'y a personne qui bouge, réfois chez moi, je te dis réfois chez les mains. Moi, je rentre dans des maisons, je vous assure. Si je vois des bibelots, des petites choses très fragiles, posées partout, moi, je dis que dans cette maison, on ne peut pas vivre. C'est une maison, il ne faut pas bouger. On ne faut rien faire. Un enfant doit évoluer dans une maison. Il doit avoir des barrières, mais il doit aussi avoir des moments d'ouverture dans sa vie. Tu ne peux pas le fermer complètement. Le portable, oui, il faut enlever le portable. Mais tu ne peux pas lui enlever complètement le portable. Tu dois lui laisser des heures de portable. Il doit savoir que dans la journée, il y aura des moments de travail, mais des moments de détente, les deux. De lui laisser le portable à 8 ans, 9 ans, 10 ans, le soir à la maison, quand tu sais pertinemment que toi, tu vas aller dormir, et lui rentre subitement dans sa chambre à 1h du matin et tu verras qu'il est en train de regarder son portable. Et après, tu comprendras pas pourquoi on t'appellera de l'école pour te dire « chute vertigineuse, il fait plus rien, il est crevé. » De lui enlever complètement, je ne suis pas pour. Il doit y avoir des barrières, des moments de détente. Il faut arriver à un équilibre. Et là, il explique. Alors, là, ce que je vais dire maintenant, c'est d'un autre monde. Rav Israël Salanter, le maître à penser du moussar, de toute la Torah. Aya Omer, il dit, « Sheyesh ha'inyanim hanim shalim, le tzipor achouza ben shete kapot ayadayim. » Il y a, dans l'éducation, ça ressemble à un oiseau
qu'on a attrapé avec nos deux mains. Tu vois, il est là à l'intérieur, l'oiseau. Il mochazim bochazak midai. Il dit Rabbi Israël à la terre. Si tu serres, il étouffe l'oiseau. Il meurt. Vas-y, prends un petit oiseau, écrase-le comme ça, et tu vas voir. Im chalash midai. Si c'est trop léger, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Il s'envole. Tu dois l'attraper en modelant un équilibre de fermeture qui lui permettra de vivre, mais de ne pas être étouffé. Ainsi, dans l'éducation des enfants, Rav Shlomo Volbe, le Rav Volbe disait, Yeled domele kfitz, un enfant ressemble à un ressort. Kfitz, un ressort, plus tu vas l'enfoncer, plus un beau matin, il va sauter. Donc tu dois enfoncer de façon à ce qu'il y a un équilibre à travers ça. Oulam, on va parler de près de l'équilibre. Kirolcha yeled nivna odma gilarach beofanachon. Plus un enfant est éduqué avec cet équilibre quand il est jeune, Orav ou mechanchim zeirim ou meuzanim beknisatam le nafsho hapnimit ve'aadina. J'aurais bien voulu que ce cours soit écouté aussi par les enseignants. Par les enseignants et les enseignantes qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas. Vous comprenez? Mais après ils vont dire c'est la faute du directeur, c'est la faute du surveillant, c'est de la faute de l'humanité entière. Moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Dans certains cas exceptionnels, oui, mais moi je ne suis pas d'accord. Il te dit une chose. Qu'il dit comme ça. Orav ou mechanchav, zeirim ou meuzanim. Quand l'éducateur, quand le parent a cet équilibre de pouvoir rentrer à l'intérieur de l'âme de l'enfant. Comment? Il ramène ici, qu'on reverra bien plus tard. Il ramène que l'éthime, souvent, un adolescent, a des illusions. Il vient chez son père, il lui dit, j'ai envie d'arrêter les études. Oh, j'ai envie de gagner une tonne de fric. Ah, j'en ai marre. Bim, comme les alzel bayeled, il dit. À la place de dire à l'enfant, mais qu'est-ce qu'elle. Tu vas arrêter quoi? Viens, tu vas arrêter quoi à l'école? Tu vas aller gagner de l'argent? Viens ici, je vais te montrer moi ce que ça veut dire, tu vas arrêter. Espèce d'abruti, bah. Te dis, hein. Non. Tu sais comment tu fais, te dis, regardez. Yigalou trila isda otim devarav. D'abord, intéresse-toi de façon. Intéressante. Intéresse-toi de façon intéressante. Est-ce qu'il est en train, bon? Tu veux gagner de l'argent? C'est bien. Comme ça, tu veux. C'est bien pour ton avenir. Kol hakavod. Je suis fier de ça. Un jour, tu veux t'acheter peut-être même un appartement et tout. Comme ça, t'es bien, ta voiture et toi. Kol hakavod. Très bien. Le fait que l'enfant déjà voit que tu ne l'as pas rejeté dans son idée, mais que tu prends son idée en considération. Et là, à ce moment-là, quand l'enfant, il a une confiance parce qu'il voit que tu t'intéresses. Waouh! Ah bon, tu dis. Non, tu sais comment tu fais après à ce moment-là? Tu dis à l'enfant, tu sais, je vais te dire un truc. Hein. Il y a des façons pour gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup plus. Tous ceux qui ont fait des grandes études, ils se sont éclatés. Ils se sont éclatés. Des grandes études. Tu vois, tu abordes avec lui une discussion à travers son illusion. Et tout doucement, tu vas lui bugger l'illusion, lui faisant rentrer des valeurs. Mais pas en l'écrasant. Jamais en l'écrasant. Jamais en lui disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es fou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et là, il termine avec une chose. Batora Mesoupar. Écoutez l'histoire extraordinaire. On a pour 5 minutes. Batora Mesoupar. Dans la Torah, il est raconté que quand la première fois Dieu apparaît à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, et il lui dit, c'est toi qui vas aller libérer le peuple d'Israël. C'est la première fois que Moshe reçoit il est missionné par Dieu d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte
de l'éduquer, de lui donner la Torah et de le faire entrer en Israël. Vous suivez ou non? C'est un gros poste. Un très gros poste. Celui du plus grand éducateur qu'il y a eu de tous les temps. À un moment donné, Dieu lui dit, Mazé biyadecha. Écoutez bien, c'est la folie ce que je vais dire maintenant. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Il lui dit Dieu. Genre, Dieu, non, Dieu il sait pas ce qu'il a dans les mains, quoi. Qu'est-ce que t'as dans les mains? Mayomer, il lui a dit, maté, un bâton. Mayomer, il lui a dit, Hashlichehu Arza, jette-le par terre, au sol. Vaya Hashlichehu Arza, il a jeté au sol. Vaya, il est Nahash, il est devenu un serpent. Vaya Nas Moshe Mipanav, Moshe se sauva devant ce serpent. Mayomer Hashem el Moshe, ça veut rien dire cette histoire. Hashem dit à Moshe, Shlach Yadecha, étends ta main. Ve'echoz Biznavo, attrape-le par la queue. Vaishlach Yado, il a étendu sa main. Vayachazek bo. Tu vois, il attrape par la queue, juste par la queue. Il a attrapé. Vaye, il est maté bekapo. Et il est redevenu un bâton. Achnoua, c'est quoi cette histoire? Et la Torah te raconte, hein. Hachem, il lui dit, qu'est-ce que t'as dans la main? Il dit, j'ai un bâton, jette-le. Il a jeté, il est devenu un serpent. Il lui a dit, attrape-le par la queue. Il a attrapé par la queue, il est redevenu un bâton. Ouais, sympa. Ça, c'est bien pour le film de Cécile B2000, quand tu vois Moïse en train de... Oh, bah, ça va, c'est beau, c'est mais bon. C'est drôle. C'est drôle. Toute l'éducation de nos enfants se trouve dans cette histoire. Maman, c'est la folie. Écoutez-moi bien. Bemofetze, avec ce miracle, Bikesh HaKadosh Baruch Hu l'edamet et Moshe Rabbeinu. Je vous demande de partager ce cours pour tous les parents, les futurs parents, les grands-parents, les enseignants, je vous en prie. Les enseignants qui des fois ne connaissent pas ces secrets. Il dit comme ça. Adavar Barour, pardon. Avec ce miracle, Bikesh HaKadosh Baruch Hu l'elamed et Moshe Rabbeinu et Hashita Anechona l'ekol manhig begishato la'am. Dieu va lui apprendre à travers cette histoire l'approche fondamentale quand tu veux éduquer. Allez. Tu as vu l'histoire que je viens de raconter? Bâton. Et de faire passer à travers ça, pas seulement pour Moshe, mais pour toutes les générations du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. L'échol Adam Amanig et Bene Amo. Pour toutes les personnes qui un jour... Écoute-moi bien, Simon. Écoute-moi bien ce que je vais dire maintenant. Pour tout dirigeant de communauté, tout dirigeant de famille, père de famille, etc. Quoi ? Adavar Barour, chez Adam Gassouar, il est évident qu'un homme, qu'un être humain qui est brutal, Shtaltan, comment on dit Shtaltan? Mishtal, hein? Oui. Shtaltan, ça veut dire qui contrôle tout, qui verrouille tout, qui est dur. Vetakif mitivao, il laisse rien passer. Il est évident. Et non, Raoul Shamesh Kemanig. Il ne peut pas être un dirigeant de communauté ou un dirigeant de famille. Le violent, le dur. On a été éduqué à la dure. Mon pote, réveille-toi. Tu es sur une autre planète. C'est plus la planète Terre. C'est la planète, je sais pas comment. On est sur un autre monde. Il ne pourra jamais éduquer. Ach, gam Adam anav bikitzoniyut, amitrashev b'achribat kedesh dato betel alifni kulam. Mais aussi, un dirigeant qui est humble et qui laisse tout passer. Gamoué noura ou il est hanig. Il ne peut pas être un éducateur. Rien du tout. Maïm ken aderecha nechona. Je répète, il y a un prof dans une école comme un parent dans une maison. Alors il y a le débat. Qu'est-ce qu'on fait? On verrouille tout, on devient très dur, ou alors on laisse passer. Bah, tu peux pas. Tu verrouilles tout, ça sera la catastrophe. Tu deviens un prof cool qui laisse tout passer, ça sera la catastrophe.
et ainsi un dirigeant d'une communauté, etc. Alors c'est quoi le vrai chemin? Tishmatov. Les figar. Beshaach et Tziva Kadosh Baruchu al Moshe Rabbeinu la Aniget Israël. Au moment où Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de... Maintenant, il va diriger le peuple d'Israël. Terem Tsetola derrière, juste avant que Moshe s'en aille pour accomplir cette mission. Dieu lui a dit, Mazé Beyadecha. Eric, écoute-moi ça. Ça vaut des milliards. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Quel omar? Ça veut dire, de quelle façon tu penses éduquer mon peuple? Mazé Beyadecha. De quelle façon? Bah, Yomer, il lui a dit, Maté. Ah, je laisse pas passer. Un vrai dirigeant, c'est comme ça. Un rabbin de communauté, y a pas, c'est comme ça. Ah, y a rien à faire, c'est comme ça. Il verrouille tout, il y a pas. Bah, Yomer, Dieu lui a dit, Ashlichi Warza, jette-le. Mais jette-le. Ce fonctionnement que tu veux faire, jette-le. Tu vas simplement détruire ta maison, ou tu vas détruire ta communauté, ou tu vas détruire ta classe pour celui qui est enseignant. Jette-le! Ça n'a jamais marché. Ça a donné l'impression que ça a marché. Ça n'a jamais marché. Et Moshe, il le jette. Vaillé, il est nachash. Il est devenu un serpent. Lehar otlo pour lui montrer. Voilà ce qui se passe. Tu as voulu faire le bâton. Il est devenu un serpent, cet enfant. Parce qu'au moment où que tu vas jeter ce bâton, au moment où il aura la possibilité de te dire « mais je fais ce que je veux », il deviendra un serpent. Et là, il n'y a plus de contrôle sur lui. Parce que tant que le bâton est dans tes mains, tu peux encore penser que tu commandes. Jette-le, il lui a dit « jette-le ». Jette-le parce que c'est pas bon ce que tu fais, mais jette-le, mais tu vas voir ce qui va se passer. Au moment où tu vas le libérer, il va devenir un serpent. C'est fini. Tu n'as plus de contrôle sur lui. Kach alman igladaat. Toute personne dirigeante, soit d'une communauté, soit toute personne. Le rabbin, il est un peu trop cool. Non, il faudrait que vous mettiez des barrières. Ah non, mais non. Moi, on a connu des rabbins à Paris, personne ne bougeait devant eux. Moi, je vais bien, hein. Moi, je vais bien, mais ils avaient du mal à avoir un minyan. Moi, je vais bien. Ça marche, ça a eu marché. Ça a eu marché. Ça ne marche plus. Yad Kasha, toute personne qui dirige, soit sa maison, soit sa communauté, doit savoir. Yad kasha nir it ke matzlicha rak ba'atrala. La main dure, elle donne l'impression de marcher, mais c'est qu'au début. Tant que tu peux tenir le bâton dans les mains. Mais imlo itachet bazman a amit maret vi. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas tout de suite pris conscience, le peuple à un moment donné se serait rebellé. L'enfant se rebelle contre toi. Il n'y a rien à faire. Il suffit que tu lâches ton bâton un moment. Tu as cru que tu tenais les enfants dans la maison comme ça. À un moment donné, rébellion, plus personne t'écoute. Et c'est ce qui s'est passé. Vayanas Moshe. Moshe s'est sauvé. Il s'est éloigné de ce concept. Vayanas Moshe Mipanav. Il s'est éloigné. Quand il a vu que le bâton devient un serpent. Quand tu le lâches un moment, il devient un serpent. Il s'est éloigné de ce chemin. Dieu lui a dit, c'est pas terminé. Shlach yadecha, étends ta main, fais echos biznavo, attrape-le par la queue. Là, attrape-le par la queue. Attrape-le par la gorge. Pourquoi par la queue? Ça veut dire, ne le lâche pas complètement. Prends-le doucement, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, tu le prends un peu. Tu le lâches pas, tu ne peux pas lâcher. Mais tu prends pas comme ça. Un peu, un petit peu. Il a attrapé. Et là, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il dit comme ça. Les fichiers l'héritim et chinok bet kifout et torelet. Que ça veut dire un petit peu? Ça veut dire, ne lâche pas prise. Mais
Donne du lest. Donne du lest, mais ne lâche pas prise. Donne du lest, montre que tu aimes, mais fais passer tes valeurs. Montre que tu aimes. Ils arrivent là, mes ados, que j'adore. Vendredi soir, ils arrivent, ils se mettent derrière. Ils se mettent derrière complètement, ça veut dire on va se passer un petit moment de kiff. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi qui étais enseignant, qu'est-ce que je fais? Parce que si j'avais été rabbin sans être enseignant, qu'est-ce que je fais? Je les vois rentrer. Je les vois rentrer d'abord. Non, je vais voir leur père, je fais des scandales, mettez-les à côté, je veux pas qu'ils restent là-bas, je veux pas si je suis pas là. Et les parents, ils savent. J'ai un fonctionnement avec eux complètement. Ils sont là, ils me regardent comme ça. Je prends des sucettes et des bonbons, je vais les voir derrière. À la place de prendre un bâton et de les fracasser, parce qu'ils viennent pour me saouler ici le vendredi soir, je prends des sucettes et je leur dis, je vous adore, merci d'être venu. Mes chéris, merci d'être venu. Ah, merci Rav, merci. Nous aussi, on vous adore. Après, de loin, je fais comme ça. Arvit, Arvit. On va commencer Arvit. Ils prennent le livre. Et ils font Arvit. Donc, je donne et je prends. Je donne et je prends. Il n'y a pas tu prends. Je donne et je prends. Sans ça, ça ne marchera jamais. Et ils adorent venir. T'as remarqué ou non, Eric? Ah oui, ils se font pas prier pour venir le vendredi soir, hein? Et le Shabbat matin, hein? Ils se font pas prier pour venir. Ils viennent, ils sont bien, ils sont chez eux. Ils s'assoient à la table du kidouche, là, les premiers, ils sont bien. Et... très bien, très bien! Très bien! Small docha veyamin mekarevet. Je les prends comme ça, tout doucement. Tout doucement. Et quand je les prends tout doucement, qu'est-ce qui s'est passé? Vayehi les maté. Bechapo, il redevient un bâton. Ça veut dire tu peux tenir. Tu arriveras à tenir encore une partie. Ça ne sera plus un serpent. T'as deviné zéro, là. Tu veux changer ta tête ou non? Je rappelle que moi, à l'école, comment je fonctionnais? C'était des grands, hein, des grands garçons. D'abord, je rentrais, ils me disaient d'abord le câlin. Avec du gel comme ça, jusqu'à l'époque, c'était comme ça, du gel, 2,5 kg de gel. Comme ça, ils amenaient les pots à l'école. Ils amenaient les pots. Des zombies. Et moi, je serre dans les bras comme ça, un rabbinou et machin. Et si là. Bon, on va commencer tout de suite le cours. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît, bien sûr. Il vient de recevoir un câlin. Il va pas me faire la pagaille. Tout bon. Allez, mon chéri, on peut commencer? Allez, on va faire des refouaches chez les mains pour le cours, pour ta maman, pour ci, pour là, pour machin. Et tout le monde était là comme ça, ils prenaient leur truc et ils travaillaient. Je n'avais pas besoin de. TV? Voilà. Ah bah, bah oui, voilà, TV, t'es avec moi à l'école. TV, ça a un petit coucou à maman et à toutes les copines d'Elat. La bracha et l'atzlacha sur eux. Ce cours-là, écoutez-moi bien. Ce cours-là, je vous en prie. D'abord, partagez-le à tous vos amis. Mais, si vous arrivez à doser, j'expliquerai dans les cours prochains qu'est-ce que ça veut dire. La droite, elle rapproche de façon concrète et la gauche, elle repousse de façon concrète. Mais à un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Tu me fais sortir un fou. Ou une folle. Tout, c'est clair. Oui, la suce le matin pour aller faire le but, c'est quoi? Oh, ouais. Alors attends, tu vas voir. Eh ben, reste là dans les prochains cours et tu verras. Chazak u barur veracha ve'atz. Toda rabba, toda rabba, toda rabba, toda rabba. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Amen, keni ratzon.